L'attente a été longue, mais nous y sommes. C'est aujourd'hui la finale dans cette compétition. Salut à toutes et tous. C'est Hervé Matou au micro, bien sûr. Très heureux de vous commenter l'affiche ultime du tournoi. Le Paris Saint-Germain contre l'Eintracht Francfort. Cette finale, ils en ont rêvé les uns les autres. Ils sont plus qu'heureux de la vivre. Mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd. Voilà, c'est parti, la grande finale, la finale de cette Ligue des Champions qui débute sous nos yeux. Ah oui, Messi, superbe. Et il a profité d'une erreur de marquage. Et ce ballon qui est perdu. Sébastien Rodeux. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Kylian Mbappé, et l'ouverture du score dans cette finale. Quelle frappe, on revoit ça, elle est soudaine, elle a surpris tout le monde, et en premier lieu le gardien. C'est le PSG qui mène. Intervention tranchante, c'est une récupération. Excellente intervention défensive. Cherche une solution là. On va aller contrer ce centre. Ça presse haut, attention à ce ballon. C'est récupéré par la défense. Achraf Hakimi. Lionel Messi. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Kylian Mbappé, et il stoppe son action, il était hors jeu. Eh bien, il a fait l'effort, Léo Messi. Oh là, complètement enrhumé là par Léo Messi. Il perd le ballon. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Et le ballon qui est au fond. Et ça fait deux buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Oh, elle se présente très très bien à cette finale. La volonté du but. Et que cette passe par-dessus la défense qui a déstabilisé tout le monde. Et ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et le voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. Bonne passe lobée dans le dos de la défense. Allez, ça doit aller au fond, ça. Et l'intervention de Donnarumma. Attention à ce corner. La meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Et la faute de main, signalée par l'arbitre. Ça va donner un coup franc dangereux, ça.
Oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Pas facile de juger, mais ça a dû se jouer à pas grand-chose. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Attention, faut pas laisser d'espace comme ça. Attention, ça n'a pas profité. On revient à la faute. Neymar. Impérial, Kevin Trapp sur ce ballon. Elle touche, le ballon a été dévié. Messi. Oh, il est déposé là par Messi. Messi. Ouais, non, le gardien qui ne se laissera pas surprendre par ce tir lointain. Et Martinez qui intercepte ce ballon. Wijnaldum. Finalement, ils perdent ce ballon. Neymar, oh, la classe, elle est à pur. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Philippe Kostic. Au centre, il y a du monde. Ouais, il repousse, ça joue. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Ah, il est à l'interception. Il glisse ce ballon en profondeur. Bonne anticipation sur cette interception. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Allez, il y a du monde pour reprendre. Allez, le ballon qui est dégagé. Le centre au second poteau. Bien dégagé, hein, ce ballon qui était dangereux. Idriss Agueye. Neymar. Marco Verratti, Léo Messi, balle au pied. Attention, attention à Léo Messi. Oh, juste au-dessus, c'était finement joué ce petit ballon piqué. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Le ballon qui va revenir à l'adversaire.
Kylian Mbappé. Léo Messi, balle au pied. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Chandler. Ouais, il reçoit du soutien. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Verratti. Le ballon est perdu pour tout le monde là. C'est Paris qui va jouer cette touche. Deux buts d'avance toujours. Domination assez nette hein, de cette équipe qui mérite cet avantage. Allez, il y va. Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Messi. La frappe de Léo Messi. C'est un corner pour le PSG. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Le corner en direction du point de pénalty. En haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. Cherche une solution là. Le ballon qui part au deuxième poteau. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Ouais, la volée là. Elle va rejoindre la collection des actions qu'on ne reverra plus jamais. Encore 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Rafael Santos Borré. Il y va tout seul. Et l'intervention. Ah, il y a de quoi s'en vouloir. Hein. Ce face-à-face était une vraie occasion de but. Mais dans les buts, on n'avait pas l'intention de se laisser faire. Idrissa Gueye. Wijnaldum. Ah, il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage. Mbappé en bonne position. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Quelle lucidité dans le dernier geste. C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux.
Toujours ces images hein, pleines d'émotion. Cette communion entre une équipe et un public hein, qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe, c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe, hein, là, les remplaçants, le staff, tout le monde est là